Je viens d'arriver à Toronto et comme vous le savez, à chaque fois que j'arrive dans un hôtel à l'étranger, je ne peux pas m'empêcher de faire un room tour. Donc je vais vous montrer parce que là, la chambre est juste énorme. Donc quand on arrive ici, on a un petit cabinet, je pense avec un mini bar en dessous. Voilà, avec machine à expresso et tout, donc c'est trop cool. Ensuite, ici, juste sur la droite, on a la salle de bain qui est trop belle. J'aime trop la déco. Quand on passe par ici, donc là, le monstre. Ensuite, on a le lit qui est super grand. Également la télé, le grand bureau. Et ici, on a un coin un peu salon avec un grand canapé, une table basse, un fauteuil et voilà. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le premier vlog de cette année 2017. Alors si vous me suivez un petit peu sur les réseaux sociaux, vous savez probablement où je suis. Je suis arrivée à Toronto hier puisque MAC Cosmétique m'a invitée à venir passer 2 jours ici à Toronto pour un projet très spécial que je vous cache depuis quelques temps. C'est le premier gros projet de cette année 2017. Mais je vais quand même vous l'annoncer dans ce vlog parce que je pense qu'à l'heure où ce vlog va sortir, l'info sera déjà sortie sur les réseaux sociaux de la part de MAC ou de certains magazines. MAC m'a proposé de créer mon propre rouge à lèvres avec eux, à moi ainsi qu'à d'autres influenceuses du monde entier, donc d'Europe, des États-Unis, des Émirats, etc., du Brésil, un petit peu partout dans le monde. J'ai été sélectionnée pour la France afin de créer mon rouge à lèvres avec MAC. Donc voilà, ça fait quelques mois maintenant qu'on travaille sur la teinte que j'ai choisie, que j'ai travaillé avec eux et que je vais enfin aujourd'hui pouvoir voir en vrai et peaufiner en vrai. Je suis juste hyper excitée. MAC, ça a été vraiment les premiers objets maquillage que j'ai eu quand j'avais 16 ans, quand j'ai commencé à me maquiller. J'ai commencé à me maquiller avec MAC. Mon premier rouge à lèvres, c'était le Jubilé. J'en étais absolument dingue et je vous en parle tout le temps, tout le temps, tout le temps sur ma chaîne. Et pour moi, c'était inenvisageable et inatteignable qu'un jour MAC me propose de faire un rouge à lèvres avec eux. Je vous avoue que j'ai été sur le coup choquée, surprise et je m'y attendais absolument pas. Et je suis super excitée. J'ai rendez-vous dans le lobby dans 15 minutes pour partir en bus à 1 heure de Toronto pour aller dans l'usine de fabrication des rouges à lèvres et de tous les produits MAC. Ça va être juste dingue, vous allez pouvoir suivre le process avec moi. Je suis hyper excitée de voir ça et surtout de voir mon rouge à lèvres en vrai. J'ai trop hâte de partager ça avec vous. Écoutez, j'en dis pas plus et c'est parti. Avant de rentrer dans le labo, il faut bien évidemment mettre des lunettes ainsi que des petites blouses, ça va être sympathique. Donc voilà l'atelier dans lequel on va travailler aujourd'hui. Donc là j'ai les teintes ici, je peux pas vous les montrer. Je vous les montrerai tout à l'heure, enfin dans un prochain vlog surtout parce que je peux pas vous les montrer avant la sortie. Mais en gros je vais choisir les teintes et travailler ce que j'ai envie de travailler, donc ça se passe là-dedans. C'est trop dingue, donc en fait les teintes sont ici et je vous présenterai ça après. Ça fait très laborantine, j'aime beaucoup parce qu'en fait on est obligé de porter des lunettes de protection, donc c'est plutôt sympathique. Ça me rappelle mes cours de SVT, de physique, voilà, c'est très cool. Donc là on est dans le labo en train de finir en fait les dernières retouches sur le rouge à lèvres. Donc on est vraiment la teinte qui nous plaît à la fin. Donc j'essaie de faire de mon mieux pour vous faire quelque chose de canon. Mais je vous avoue que c'est un peu délicat, c'est compliqué parce qu'il y a plein de choses qui nous plaisent et donc du coup on sait pas trop quoi choisir. Moi-même.
Ça y est, mon rouge à lèvres est terminé, donc il y a mon nom en dessous. Je vais pas encore vous montrer la teinte, mais je vous la montre très vite. Je suis juste trop émue en fait d'avoir mon nom sur un joli Mac, ça me rend toute chose. J'ai trop hâte que vous puissiez le voir, que vous puissiez la voir et tout. Je suis trop excitée. Mon dieu, je suis trop contente! Ça y est, la journée est terminée, donc on a fini la création, on a visité également les labos, j'ai pas pu vous montrer parce qu'on n'a pas le droit de vous montrer vraiment comment ils font l'assemblage des rouges à lèvres, etc. Donc c'était juste pour revoir avec ma petite blouse. Là on va reprendre le bus pour retourner sur Toronto, on va se poser, je vais monter ce vlog et ce soir on va dîner, donc voilà, je vous emmène avec moi et ça va être bien. Bon, on est arrivé au restaurant et en fait Charlotte m'a dit, donc Charlotte qui s'occupe de moi aujourd'hui, m'a dit que c'était le restaurant de Drake, donc qui lui appartenait. Donc là elle est. Je viens de refaire ma soirée, je sais pas si tu savais mais. C'est trop mignon. Je viens de rentrer à l'hôtel, il est actuellement 22h30, du coup je vais me démaquiller et aller me coucher. Je voulais monter ce vlog mais en fait j'ai donc mon ordinateur. Oui, je suis en bad one piece, j'attends juste de faire la fin de ce vlog en étant habillée correctement. Avant de m'habiller, voilà, je voulais en fait monter mon vlog ce soir, donc le vlog que vous êtes en train de regarder. Sauf que j'ai oublié mon chargeur d'ordinateur chez moi à Lyon. Voilà, et je m'en suis rendu compte seulement maintenant parce que j'ai pas utilisé mon ordinateur depuis. Donc voilà, je vais pas pouvoir le monter du coup, mais c'est pas grave, je le montrerai en rentrant, de toute façon rien ne presse. En tout cas, c'est tout pour le vlog d'aujourd'hui, j'espère qu'il vous a plu. Je vous donnerai plus d'informations sur le rouge à lèvres quand j'en aurai. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il sort en avril. Il y a quelques surprises qui sont assez ouf, qui tournent autour de ce rouge à lèvres pour vous. Donc des surprises pour vous. Je vous en parlerai plus du coup, voilà, quand j'en saurai plus. Donc là, pareil, j'ai hâte voilà, de vous montrer tout ça, que vous voyez la teinte. Je suis trop excitée. Là, je suis un peu fatiguée parce que du coup, si je compte en décalage horaire, pour moi, il est 4h30 du matin là. Et je suis réveillée depuis ici 5h, donc je suis un peu fatiguée. Mais voilà, j'ai hâte de vous montrer tout ça, je suis trop excitée. J'espère que ça vous fait plaisir. Et voilà, il y a plus d'informations sur mon Instagram, sur mon Twitter, etc. Mais d'ici là, je vous tiens informée de toute façon. Dès que j'en sais plus, je ferai un vlog spécial. Et voilà, j'ai trop trop hâte. Du coup, programme de la journée de demain, petite matinée à Toronto, visiter un petit peu, on comptait aller voir la tour et marcher un petit peu dans la rue pour voir, pour connaître un peu Toronto. Moi, le Canada, je connais pas du tout. Je rêve d'aller à Montréal et dans la ville de Québec. Voilà, j'aimerais visiter la partie francophone du Canada et donc là aujourd'hui je suis à Toronto, ce qui est quand même déjà ouf, mais du coup voilà, j'ai reçu plein de vos petits messages me disant oh, si t'es à Toronto est-ce que tu peux passer à Montréal, nanana. Je peux pas malheureusement, mais j'aurais beaucoup aimé et je pense que je viendrai très très prochainement, je pense, voilà, parce que ça me tient à cœur, j'ai envie de visiter cette ville là donc voilà, demain on va visiter un petit peu Toronto et ensuite on a un avion qui part à 18h il me semble pour rentrer sur Paris, puis un autre avion pour rentrer sur Lyon, donc voilà, c'était vraiment un aller-retour express pour créer ma teinte des rouges à lèvres et ensuite pour rentrer à la maison. Mais sachez que la semaine prochaine je repars encore. Vous allez voir, ça va être juste ouf. Je vous fais à toutes et à tous d'énormes bisous. J'espère que ce premier vlog de l'année 2017 vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker ce vlog et de vous abonner à ma chaîne de vlog si ce n'est toujours pas fait. Je vous fais encore une fois plein de bisous. Je vous aime très fort et je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Bye bye.